Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui sur une rivière de deuxième catégorie, donc la première étant fermée, on se rabat sur la seconde, qui laisse toujours de belles perspectives pour la pêche de l'ombre en fin de saison. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec Maxime qui nous accompagne. Bonjour. Voilà, et on va autant que possible essayer de vous montrer comment on fait pour les attraper à cette période un peu plus tardive de l'année. Voilà, une truite. Petite truite. On va presque faire un sèche-neuf parce que les eaux sont vraiment basses ici. Bah, ça court pas vite en tout cas. Bah normalement ça coule plus vite. Je viens de voir un gobage, tiens, en face de toi sur l'autre berge. Sur l'autre berge? Ouais. Oh, allez. Il y a plein de mouches. Ouais. C'est bien, c'est bon signe. Ouais, c'est bien. L'autre fois, quand je suis venu là-bas, j'en ai touché aussi quelques-uns ici en bordure de Ah, bah vas-y, fais-nous rêver. Oh, on va voir. J'ai remarqué aujourd'hui que j'ai rien touché en amont. Hein. Tout, plus ou moins, trois quarts aval. Il y a plus de courant ici. Ouais, il y a plus de courant. Ça se fait, ils sont ici, on va voir. S'ils étaient vraiment là, j'en aurais déjà touché. Habituellement, ici, on touche plus de truites dans les gros courants rapides. Et là, dans le grand ripple, plus des ondes. Après, les conditions ont changé, les ondes ont bougé, là, donc faut voir où les poissons ont été se mettre. C'est ça. On ne peut pas être très loin, mais où, je ne sais pas. Là en face, t'as un beau calme. Ouais, c'est une bordure de courant en fait. Toi, t'as. Oui, je vois. Ça fait une bosse. Il y en a une là derrière, parce que moi ou l'autre poisson. Poisson. Hop. Hop là. C'est un beau petit ombre. Ben ouais. J'ai essayé de pêcher un petit peu en noyer, parce qu'en neuf ça donnait pas. Et au final. Ben souvent en fin de saison, les ombres ils ont tendance à plus à beaucoup plus décoller. Ça a bien payé. Et tu l'as fait sur ta sauteuse ou ta pointe? Sur la pointe. La pointe. Et ce qu'elle a de bien cette soie, tu peux regarder à son posé. Contrairement à une WF, tu vois, souvent ta WF elle tombe comme ça sur l'autre. Moi celle-là elle fait à chaque fois comme ça. Elle a un posé beaucoup plus délicat. Elle a un très bon posé cette soie.
C'est le même, allez, c'est un plastique très similaire à la file. Oui. Un peu plus haut de gamme, enfin la file est un peu plus haut de gamme, mais c'est le même genre de profil et tu as toujours ce posé qui va se faire comme ça de manière harmonieuse, tu vois. Ouais, ça part bien, ça... Ça part bien, ça tombe délicatement, c'est pas trop lourd. Non, non. Souvent, sur les attaques, tu peux prendre un numéro au-dessus. Tu prends un numéro au-dessus? Ça, c'est une 5 que t'as. Ah ouais. Mais tu as l'impression d'avoir une 4, ouais, parce que c'est assez léger comme plastique. Ouais, donc tu vois, moi en noyer, j'ai beaucoup plus tendance à être beaucoup plus creux comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pêchent en noyer, ils vont lancer pratiquement comme ça devant eux, ils vont rester tendus, et ils vont ramener les mouches jusque devant eux. Ouais, ouais. Mais tes mouches ne coulent pas. Elles restent vraiment en surface, et c'est pas de naturel en fin de compte. C'est vraiment quelque chose de très bridé. Moi, après, c'est personnel, hein, j'ai plutôt tendance à lancer comme ça un peu plus en travers, à faire un mending ou deux, et avoir vraiment une boucle comme ça, et qui va vraiment laisser du creux dans tes mouches. Donc, d'abord, je les laisse un peu couler, et puis après, tu auras la remontée des mouches, ouais. Et tu as quelque chose de très creux comme ça. Là, tu as quelque chose de très naturel. Mais le fait d'avoir un bas de ligne à nœud, ouais, comme tu as, ben, un, ça va donner de l'élasticité au moment de ta touche, parce que le fil va absorber un peu la touche. Ouais, parce que là, c'est du 12 centièmes. Oui, donc tu es en 12, mais toi, ton bas de ligne à nœud te permet d'absorber la touche. Ouais. Et alors, tu auras quelque chose de beaucoup plus naturel, puisque si t'as uniquement, mettons, t'as 1,50 m de fil, ta première mouche à 1 mètre, mettons, eh bien, tu seras beaucoup plus en contact avec ta soie, et donc tu vas draguer beaucoup plus. Que comme tu l'as fait avec ton bas de ligne à nœud, eh bien, ce sera beaucoup plus détendu et beaucoup plus naturel. Je comprends. Ben moi, j'ai tendance, quand je pêche l'ombre comme ça en noyer, en règle générale, mettre un bas de ligne, je vais dire, pour pêcher en sèche. Ouais. Et puis après, une pointe de 12 avec deux mouches et un écart d'un mètre, plus ou moins, ouais, pour avoir une dérive beaucoup plus lente. Parce que si on met un bas de ligne classique, je vais dire, en direct sur la canne, la dérive se fera beaucoup plus rapidement et les mouches vont travailler beaucoup moins longtemps. Ouais. Mais en fait, aussi, il y a un facteur, c'est que ça dépend si tu les pêches en début de saison, en arrière-saison, ouais, si tu pêches à 2 ou à 3. C'est Mais c'est sûr et certain qu'en arrière-saison comme ça, où il faut vraiment affiner la pêche, où il faut descendre fin dans les pointes, eh bien, le fait d'avoir ce système comme tu as fait là va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus pêchant. C'est clair. Maintenant, quand tu pêches la même tronçon, mais avec 50 cm d'eau de plus et des truites un peu plus de truites et un peu plus nerveuses, ouais, le fait d'avoir 3 mouches et du 16 ou du 18, c'est plus efficace. C'est plus efficace. Il faut vraiment adapter cette pêche en noyer par rapport aux conditions que tu rencontres. Tiens, je te rends ta canne. Tiens. Et tu pêches aussi loin que ça, toi, d'habitude, ou plus court? Maximum à cette distance-là, pour avoir justement une longue dérive. Parce que si tu pêches beaucoup plus court, ouais, le souci, c'est que tu parcours moins de terrain. Ta dérive, elle est beaucoup plus courte. Et que si tu pêches plus loin, justement, ben, ça travaille plus longtemps. Et t'as plus ou moins de raté en pêchant plus loin, ou ça change rien? Ça change rien. Maintenant, il faut pas mettre trop de tension. Okay. Sinon, là, c'est mort. Donc c'est vraiment cette grande boucle, on va dire, qui te permet de ne pas décrocher tes poissons. C'est ça. Bah, tu vois bien, à mon avis, ils sont d'ici, ouais, jusqu'à la tête de coulée. Bah, mets-toi où tu veux. Moi, j'ai commencé à te mettre au-dessus. Pareil, si tu veux. Moi, je commence. Là-bas, ça m'est égal. De toute façon, on se croisera. Ouais. Ouais, je vais me mettre là. C'est un poisson. En voilà, pas décroché. Donc en fait, comme vous l'avez vu, je lance suffisamment amont de manière à ce que mes nymphes soient immergées. Alors, pour ça, il faut connaître le poids de ces mouches. Il faut savoir que le diamètre du fil a un impact. Mais quand vous avez un petit peu de pratique, vous savez à peu de choses près où lancer, de manière à ce que vos mouches s'immergent assez rapidement. Là, en fait, j'ai fait une dérive assez inerte sur à peu près une longueur de 3 mètres. Et mon poisson, je l'ai fait sur la remontée de mes mouches. Donc, c'est-à-dire que quand j'avais terminé, je vais vous montrer comme ceci, donc j'avais terminé à peu de choses près ma dérive comme... Attendez, je vous montre comme c'est le cas ici, à part que je vais le faire en accéléré. Et quand mes mouches remontaient comme c'est le cas là, j'ai piqué l'ombre. Donc ça revient à peu de choses. Enfin, c'est une façon différente de
pêcher les ombres en fin de saison. Maxime, par exemple, tout à l'heure, il a pêché en noyer. Moi, ici, je le pêchais en nymphe, mais en fin de compte, c'est quasiment comme si je pêchais en noyer, à part que je le fais avec des nymphes. Bon, Maxime pêchait un peu plus haut, moi, je pêche un peu plus bas à la remontée, mais ça reste des pêches chaval. Il faut savoir qu'en fin de saison, comme c'est le cas maintenant, les ombres ont vraiment la tendance à décoller pour venir chercher les mouches. Et il faut autant que possible essayer de les pêcher aval. Vous en prendrez naturellement une bonne partie en amont. Vous en prenez certainement encore plus en pêchant aval. Donc il faut vraiment accentuer les pêches aval en fin de saison. Donc vraiment continuer les dérives un petit peu plus longtemps et laisser les mouches remonter. Ce type de poste, la coulée, comme on a ici, un peu plus large. Alors, soit on la pêche en montant, soit en descendant. Ça, c'est vraiment propre à chaque pêcheur et au comportement des poissons par rapport à chaque rivière. Moi, personnellement, en fin de saison, ce genre de coulée, je préfère la descendre. Maxime, qui est juste au-dessus, lui, la pêchera toujours en montant. En fin de compte, les deux façons sont bonnes. C'est un peu la méthode avec laquelle on le sent le plus à l'aise et que l'on préfère pratiquer. Je veux dire que par eau basse, j'aurais vraiment tendance à la remonter, moi. Et par eau un tout petit peu plus haute, on n'a pas des eaux vraiment hautes, mais par un peu plus haute et en fin de saison, moi je la descends. Donc par exemple, j'ai commencé la coulée ici, en pêchant donc vraiment la première bordure de coulée qui est là. Donc j'ai fait passer les mouches quelques fois, puis j'ai avancé d'à peu près un mètre, j'ai pêché un peu plus large, puis toujours un peu plus large, mais je l'ai fait en descendant. Donc voilà, j'ai commencé là, et en pêchant, j'ai redescendu de 3-4 mètres, de manière à repêcher en fait le beau coup qui est là en face. Mais ça, c'est à vous, en pêchant, de sentir un peu la façon de vous déplacer dans l'eau. Allez, bye bye. Ouais. Max en a un. C'est pas fait exprès. Pas peu de chance, hein, des fois. C'est un beau poisson, moi, que j'ai. C'est bon, il s'est décroché, moi. Moi aussi. Hop. C'est un beau poisson, le mien. J'ai pris son petit frère. Timalus, Timalus. Vous allez refaire des petits ombres. Pour les pêches d'arrière-saison, comme on le fait ici, donc sur une deuxième catégorie, en général, qui dit deuxième catégorie, des rivières plus larges et un peu plus puissantes. Moi, personnellement, je préfère des cannes plus longues de 11 pieds. Ici, j'ai la nymphe maniaque en 11 pieds, soit 3. Alors, j'ai pris un numéro 3. J'aurais pu prendre la 2, mais je préfère la 2 pour principalement les truites, je vais dire, plus haut dans sur les têtes de bassin, sur les parties plus aval ou des poissons un peu plus importants. Je préfère des numéros de soins un peu plus élevés, donc une 3 qui me permet d'avoir un peu plus de force quand je combats mes poissons. Et j'avais simplement la soie Ultra Light 9, donc l'équivalent de la soie 55 centièmes, et le moulinet XLV 9, donc qui permet d'accueillir cette soie avec vraiment un ce qu'on appelle un large arbore, donc un moulinet avec une bobine beaucoup plus large qui me permet de contenir cette soie Euronymph sans lui laisser de mémoire. Donc ça, c'est vraiment aussi très important. Quand j'aurai un peu de bannière et de soie dehors, ben cette soie n'aura pas pris de mémoire et sera vraiment très, très droite.
Pour la façon de dériver en nymphe, on a fait une vidéo en début de saison qui était vraiment bien faite, enfin j'espère qu'elle était bien faite et qu'elle vous a plu, où on expliquait, où on décortiquait en tout cas vraiment la façon de faire des dérives en nymphe. Donc c'est assez similaire à celle-ci. Bon, en début de saison, on était sur une tête de bassin, une rivière beaucoup plus courte, donc on pêchait beaucoup plus amont. Ici, je pêcherai un peu plus en face de moi et un peu plus aval, mais globalement, c'est assez similaire en termes de façon de faire, à l'exception que, au lieu de vraiment chercher l'amont, ici, plutôt être un peu plus devant moi et essayer d'être plus creux et un peu plus détendu sur la fin des dérives, de manière à avoir vraiment les nymphes qui depuis le fond, venir décoller vers la surface. Et c'est souvent ça qui déclenche les ombres en arrière-saison comme maintenant. Voilà, comme par exemple ici, en pêchant comme je le fais, en essayant d'insister un peu plus sur l'aval, je suis passé plusieurs fois, mais j'ai jamais réussi à à prendre le fond et à faire redécoller mes mouches. Donc pour la tête de coulée, mais les stages étaient bons, mais pour la fin de dérive ici, je sens que je suis trop léger. Donc en fait, j'ai deux solutions. C'est soit je fais de très longues dérives, où je lance en amont, je laisse vraiment descendre, pêcher ici en inerte et faire décoller, mais j'ai vraiment du mal parce qu'il y a une cuvette qui se fait ici, et même en essayant de le faire, j'ai du mal. Donc la solution, c'est de, pour ce poste-là, en tout cas, c'est d'alourdir ma pointe. Donc je vais passer d'une 2.3, à mon avis, à 2.5 ou 2.8, de manière à être vraiment plus profond et à faire décoller mes mouches. Mais ce sera vraiment que pour ce poste-là. Une fois que je l'aurai pêché et que j'aurai pris ou j'aurai rien pris, on verra en fonction de ce qu'il y a à faire sur le poste, mais que je l'aurai pêché, mais je réadapterai de nouveau mes lessages pour remonter au-dessus. Mais en tout cas, ce petit poste-là demande une adaptation au niveau des poids. Dans toutes ces pêches-là, comme on le pratique maintenant ici en arrière-saison sur les ombres, il y a quelques clés à comprendre qui différencient la pêche de l'ombre de celle de la truite. Donc les quelques points clés, mais qui sont toujours à adapter en fonction des rivières que vous pêchez, il faut comprendre qu'une rivière des Alpes n'est pas une rivière des Pyrénées, n'est pas une rivière du Massif central, mais il y a quelques points de similitude. Donc sur ces pêches en général, donc vraiment de partie aval des rivières un peu plus larges, quand on pêche les ombres, à la période comme maintenant, ils sont encore un peu éparses comme j'expliquais tout à l'heure, mais dès qu'il y aura les premières gelées, ils vont avoir tendance à se regrouper. Et là, vous les verrez probablement gober. Donc là, ils seront plus faciles à pêcher parce qu'ils vont souvent sur les fins de gravier, les zones un peu moins profondes où là, ils vont vraiment venir gober. Mais comme maintenant, ils sont encore un peu répartis partout. Et là, c'est une pêche de nymphe. Et dans cette pêche de nymphe, pour la différencier d'une pêche de truite, c'est qu'on va souvent pêcher plus fin, souvent avec du fluorocarbone plutôt que du nylon, souvent avec des mouches plus petites, donc entre 16 et 20 au niveau des nymphes. Souvent, c'est un poisson qui aime quand même avoir un petit peu de brillance ou un tout petit peu de quelque chose un peu éclatant dans la mouche, comme un point orange, un point rose. Donc il faut du contraste dans les mouches, plus une bille qui est assez brillante, en général. Souvent, enfin, c'est souvent le cas en fin de saison. Donc voilà, il faut vraiment comprendre petite mouche, pêche fine, pêche délicate, et alors souvent des pêches aval où on accompagne très fortement à l'aval. Ça, c'est entre guillemets les grandes choses qui différencient la pêche de la truite de la pêche de l'ombre.
Quand vous êtes comme ça dans un gros courant, je vais dire, et que vous piquez un beau poisson, la meilleure des choses, c'est de, comme je le fais là, c'est d'essayer au maximum de le tenir la tête, enfin, le tenir vraiment droit dans le courant comme il est là. Donc comme vous le voyez là, le poisson il ne bouge plus beaucoup, il est de la tête à l'avant dans le courant, il se laisse faire. Et en fait, c'est de tourner autour pour essayer de passer en dessous du poisson, parce que si vous, au contraire, si vous essayez de le ramener vers vous, vous avez beaucoup de chances de le décrocher. Donc là, je passe au-dessus et j'essaye, hop, voilà, de le rentrer comme ceci. Oh, qu'est-ce que je fais? Catastrophe. C'est le courant qui prend dans l'épuisette, ça. Tu l'as fait ici devant? Ouais, ici où je t'avais dit de commencer. Hop là. Il est temps pour nous de clôturer cette session qui était assez positive, pas évidente. Vraiment une pêche assez technique, mais une journée positive. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Max. Ah, je me suis bien amusé. Maintenant, c'est une pêche assez fine sur des petites mouches. C'est pas évident, mais j'aime ça. Oui, voilà, donc c'était une pêche où il fallait vraiment être fin. Donc on a pêché principalement hameçon de 20, deux mouches hameçon de 20 et des bides entre 2-3 et 2-5. Donc c'est vraiment des pêches fines où il fallait localiser les poissons parce qu'on est dans une période transitoire. La truite est fermée, l'ombre est toujours ouverte jusqu'à la fin du mois de janvier ici. Mais les poissons, les ombres en tout cas ne sont pas encore rassemblées, donc ils étaient de manière éparse dans les courants, il fallait vraiment les trouver et passer juste dessus. Bon, on a fait quelques poissons, c'était chouette. Max en noyé a fait aussi quelques poissons. Oui, j'ai fait quelques poissons en début de session dans des têtes de coulée, et une fois qu'on arrive dans les bas de coulée, on ne prend plus rien. Donc on remarque quand même que le poisson se trouve toujours dans les endroits fort oxygénés. Oui, ça, c'est ma conclusion. Le poisson est dans les oxygénations. En tout cas, voilà, la session est terminée. Maintenant, on vous donne rendez-vous à l'atelier. Donc, dans notre showroom, on va vous montrer 5 mouches qu'on a utilisées. Donc, il y aura 2 noyés et 3 nymphes avec lesquelles on a pris des poissons pendant cette session. Donc, je vais commencer par les 2 mouches noyées avec lesquelles Maxime a pris quelques ombres. Et puis, je vous montrerai les nymphes. Au niveau des noyés, on va faire 2 mouches parce qu'on a pêché à 2. Ce sera 2 mouches assez simples. Vous allez voir, c'est très minimaliste. Donc, pour réaliser celle-ci, je vais utiliser un hameçon qui est celui-ci, qui est le TE50 en taille 14. Donc, c'est un hameçon qui est justement prévu pour réaliser des mouches noyées. Donc, c'est un hameçon un tout petit peu plus fort de fer, mais qui garde un très bon piquant parce que c'est important d'avoir vraiment des pointes qui soient vraiment très piquantes. Donc ici, c'est un hameçon 14, c'est un petit hameçon. Vous pouvez monter d'une taille si vous le souhaitez, mais nous, on a pêché un hameçon de 14. Le corps, il est réalisé avec une sonde montage noire de 8-0. Et donc, je vais faire très rapidement mon sous-corps, comme ceci. Le corps en lui-même de sa mouche noyée, il était fait avec un substitut de condor de couleur olive. Donc, vous devez couper une fibre, comme ceci, et ça s'utilise en coupant l'extrémité, donc la pointe, le premier centimètre, je le raccourcis parce qu'il sera très fin, il aura tendance à casser au montage, et lorsque je le positionne sur ma mouche, il faut le mettre dans le bon sens, c'est-à-dire qu'au moment du montage, les quelques barbules se mettent vers l'extérieur de la mouche. Pour consolider celle-ci, je vais aider le corps à être plus solide grâce à de la superglue. Donc ici, en l'occurrence, je prends de la superglue de chez Gulf et je vais mettre un peu de superglue sur le corps de manière à ce que quand j'enroule ma plume, elle vienne se coller et être beaucoup plus solide. Les spires vont être jointives. Et là, je vais laisser à peu près 4 ou 5 mm entre la fin
de mon substitut de condor et mon œillet, de manière à pouvoir y mettre un peu de dubbing, y mettre un petit hacle et avoir encore de la place. Donc là, le corps, il est réalisé, il sera très solide. Maintenant, je vais mettre un tout petit peu de dubbing, mais vraiment très peu, donc qui est celui-ci. C'est le Spectra Dubbing de couleur olive brown. Donc la quantité que je vais prendre est vraiment très très faible. Et je vais vraiment pratiquement pas le serrer sur mon fil. Voilà. Et je vais encore retirer la moitié de ce que j'avais pris. Donc c'est vraiment une très faible quantité de dubbing. Et je vais en rajouter un tout petit peu. Mais je vais simplement le nouer comme ceci. De manière à faire une aile. Voilà. Et je retire encore le surplus. Comme vous voyez, voilà, c'est vraiment assez léger. C'est de manière à avoir quelque chose dans l'eau qui sera mobile. Au plus vous en mettez, au moins ça nagera. Donc là, c'est vraiment pour avoir un peu de brillance et de la mobilité. Et je vais terminer la mouche en mettant une plume de perdrix. Donc pour ce genre de mouche, il faut des plumes assez petites. Vous devez trier dans votre sachet pour trouver les plus petites plumes. Et je vais l'attacher par la pointe de celle-ci. Donc je coupe la pointe et je viens poser la plume. Je vais maintenant tourner mon hacle autour de mon hameçon. Et je viens fixer la plume de perdrix à laquelle je vais couper son excédent, comme c'est le cas ici. Et je viens simplement finir ma mouche avec un nœud de finition. Voilà, donc la mouche est terminée. C'est assez simple de confection. Comme vous voyez, c'est très minimaliste, donc c'est une légère silhouette olive avec un peu de perdrix qui lui donnera de la mobilité, un peu de brillance. Donc c'est vraiment une mouche très neutre et qui fonctionne assez bien en fin de saison. Le second modèle que nous avons utilisé, donc c'est une noyée de couleur noire, donc toujours montée sur le même hameçon, qui est le TE50 en taille 14. C'est une mouche de nouveau assez simple, donc qui est réalisée à l'aide de soie de montage noire. Donc je viens simplement fixer cette soie de montage sur l'hameçon sans aller vers la courbure. Donc simplement je la fixe et je prends une pincée de Spectra Dubbing de couleur noire. Donc c'est un dubbing noir avec des reflets verts. Et ici, je vais mettre une pincée de ce dubbing noir et que je vais serrer beaucoup plus que sur la mouche précédente. Je vais réaliser un corps, voilà, comme ceci, jusqu'à la courbure. Donc c'est un corps assez fin. Et sur celui-ci, je vais rajouter de l'autruche noire. Donc pour la réaliser, je vais prendre une fibre d'autruche, comme ceci. Et je vais couper la pointe de ma plume et je vais venir la nouer en faisant deux tours, comme ceci. Pour la solidifier, je vais la tourner autour de ma soie de montage, c'est-à-dire que c'est une plume qui est très fragile, donc qui est très mobile dans l'eau, mais qui est très fragile. Donc c'est la raison pour laquelle je vais venir la twister autour de cette soie de montage, ce qui va la rendre beaucoup plus solide. Donc je vais faire à peu près une vingtaine de tours de la plume sur elle-même, ce qui sera suffisant, comme vous le voyez, pour venir complètement se torsader autour de ma soie de montage. Et je vais tourner à peu près 5 ou 6 fois autour de mon dubbing, voilà, comme ceci, pour donner à la mouche plus de volume et plus de mobilité dans l'eau. Voilà, maintenant je vais défaire la plume qui a été tournée autour de ma soie de montage et je vais venir la nouer comme ceci. Voilà, donc vous voyez que vous avez un corps qui est aéré, qui a du volume et qui aura de la vie dans l'eau. Alors ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis un petit signal de couleur jaune sur celle-ci. Donc pour cela, je prends un brin de Unistretch de couleur fluo chartreuse et je vais venir nouer ce brin sur la partie supérieure de la mouche. Donc c'est vraiment, je ne le double pas, c'est juste un brin que je viens nouer comme ceci et que je vais recouper à peu près à 5 mm. Donc c'est vraiment un petit signal jaune sur la mouche qui se voit mais qui n'est pas non plus trop important. Et le hacle était réalisé à l'aide de cul de canard noir. Donc pour réaliser cette mouche, je vais venir prendre une plume comme ceci, couper la pointe
Et je vais me faire deux petits bouquets de plumes. Je la recoupe de nouveau en deux. Voilà. Et je vais superposer les deux plumes l'une sur l'autre. Comme cela. Et je vais rabattre les fibres vers l'arrière. Donc vous voyez, j'ai un petit pinceau de plumes que je vais venir disposer tout autour de mon hameçon. Donc je vais essayer autant que possible de répartir les plumes partout autour de la mouche. Et je viens nouer ce cul de canard à ma mouche. Et là, je coupe toute la partie excédente, vraiment à ras. Et je viens réaliser la tête de ma mouche. Et ensuite, le nœud final. Donc, comme vous voyez, c'est une mouche noire avec un peu de volume et un tout petit signal jaune. Donc, celle-ci était mise en pointe. Et cette olive ici, comme cela, était mise en sauteuse. On a écarté les mouches à peu près d'un mètre. Donc il y avait un bas de ligne dans un premier temps à nœud qui faisait à peu près un peu plus d'une fois la longueur de la canne. Ensuite, au bout de celui-ci, nous avions 80 cm de fluorocarbone, une première mouche en potence et puis la seconde à un mètre plus loin. Nous allons maintenant passer au montage des trois nymphes. Pour la vidéo, je vais faire sur une taille 16, mais vous pouvez les adapter au niveau des tailles entre 16 et 20 par rapport au biotope que vous pêchez. Donc moi, pour ce faire, j'utilise donc un hameçon jig qui est le TE110 en taille 16, auquel je vais venir ajouter une bille de couleur argentée. Donc ici, pour le montage, c'est une bille de 3 mm. Le corps de la mouche sera réalisé à l'aide d'une soie de montage noire, toujours la même, donc du 8-0. Et je viens caler ma bille, comme ceci. Et je vais lui mettre un petit point de colle pour qu'elle ne bouge plus. Voilà. Je vais aller vers ma courbure. Pour les cercles de la mouche, je vais utiliser du cul de canard noir. Alors, je prends volontairement cette plume pour donner un peu de mobilité à ma mouche. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prélever sur la plume quelques fibres, vraiment très peu, pour réaliser les cercles. Vous voyez, je prends une pincée. Et sur cette pincée, je vais vraiment utiliser l'extrémité de la plume. Et je vais retirer toutes les fibres un peu trop petites. Donc voilà mes cercles en cul de canard. Je vais les recouper légèrement. Le corps, je vais le réaliser à l'aide de substituts de condor noir. Donc la même chose que pour la mouche noyée. Je vais prélever une fibre. Je vais recouper le premier centimètre de ma plume. Et je vais regarder la manière dont la plume se met. Comme ceci. Et je viens la nouer à mon corps en revenant vers la tête de ma mouche. Toujours comme sur la mouche précédente, je mets un peu de superglue sur le dos et je vais venir tourner la plume autour de mon corps. Donc ça permet d'avoir un corps très fin et segmenté. Pour le thorax, je vais venir lui mettre un peu de dubbing lavande. Donc c'est la référence, c'est le spectra de couleur lavender. C'est vraiment une très petite quantité que je viens mettre et que je vais serrer assez fortement ici au niveau de la bille. Voilà. Une fois la mouche terminée, je vais réaliser mon nœud final. Donc, comme vous le voyez, c'est une mouche assez fine avec peu de mouvement au niveau du corps dans l'eau. Par contre, les cercles en cul de canard donneront de la vie à votre mouche. C'est pas un perdigone du tout, mais c'est un peu le même profil. Donc il y a peu de mouvement au niveau du corps. C'est vraiment quelque chose de conique et de peu vivant dans l'eau, ce qui n'empêche pas du tout la prise de poisson. Mais par contre, avec des cercles assez mobiles dans l'eau.
La deuxième nymphe qu'on va monter, c'est une nymphe avec du cul de canard au niveau du hacle. Donc ce sera une mouche qui aura plus de volume dans l'eau. Donc pour réaliser celle-ci, donc c'est toujours mon hameçon TE110 en taille 16. Au niveau de la bille de cette mouche, on a mis une bille métallique rose de 3 mm. Donc la bille a été fixée sur l'hameçon et je vais au niveau de la courbure. Je vais utiliser deux dubbings sur cette mouche. Je vais utiliser un dubbing lavande et un dubbing noir. Donc le dubbing lavande servira à faire un petit cul de couleur bleuté foncé. Donc il faut savoir que ce dubbing, si vous utilisez une soie de montage noire, il va foncer. Si vous utilisez une soie de montage blanche, il va s'éclaircir. Moi ici pour la mouche, je voudrais que la mouche soit un peu plus foncée. Donc je vais faire un dubbing assez serré. Et je vais faire ici quelques tours au niveau de l'arrière de ma mouche, comme ceci. Donc ici, je viens de réaliser un petit cul de couleur lavande et le corps sera fait à l'aide de mon dubbing Spectra noir. Donc ici, je vais un tout petit peu moins serrer le dubbing pour donner de la conicité à ma mouche. Le corps de la mouche est réalisé. On va maintenant venir ajouter un peu de cul de canard noir pour lui donner plus de mobilité. Pour cette mouche, je vais faire à peu de choses près le même principe que sur la mouche précédente qui était la mouche noyée. Mais au lieu de faire deux bouquets de plumes, je vais n'en faire qu'un seul. Ce qui me faut moins de cul de canard que sur la mouche précédente. Vous voyez, je vais prendre vraiment les parties ici un peu plus longues et je vais venir le disposer de part et d'autre de ma mouche et je coupe l'excédent. Si, comme c'est le cas ici, vous voyez que quand vous avez coupé, il vous reste un petit peu de petits restants de plumes qui redépassent à l'avant, c'est pas un problème du tout parce que vous allez le rabattre vers l'arrière et ça rajoutera un tout petit peu de vie à votre mouche. Et pour terminer la mouche, on vient rajouter de nouveau un tout petit peu du même dubbing noir à l'avant pour la finir. En termes de couleur de mouche, c'est assez similaire à la précédente, parce que c'était vraiment les tonalités qui ressortaient, c'était le mélange de noir et de lavande, à part que celle-ci sera beaucoup plus mobile, et celle-ci le sera beaucoup moins. Alors les deux fonctionnent vraiment, mais on s'est rendu compte qu'en, par exemple, dans les dérives amont, celle qui était moins mobile fonctionnait un peu plus, et celle qui était plus mobile comme ça, donc quand on terminait les fins de dérive avec le cul de canard, ça apportait un petit peu de vie à la mouche et ça fonctionnait mieux. La troisième mouche qu'on a utilisée, c'est un perdigone. Alors, il est toujours monté sur un hameçon jig, donc toujours le même en taille 16, le TE110. La bille, c'est de couleur métallique noire. Donc, c'est-à-dire que c'est un noir qui est brillant. C'est pas un noir mat. Donc, je vais fixer la bille. Toujours la même chose, la coller. Je vais venir vers la courbure de ma mouche et je vais, pour réaliser mes cercles, utiliser du pardo. Je vais positionner les fibres et je vais faire des cercles assez courts. Pour le corps, il est réalisé dans cette plaquette qui est le Pearl Angel Sheeting de couleur orange. Alors, il est nommé orange, mais vous verrez qu'une fois qu'il sera monté avec le sous-corps, la couleur de la mouche va complètement changer. Et donc, de cette plaquette, je vais découper des languettes assez fines. Le mieux, c'est de les faire le plus fines possible. Et, si possible, de les couper en biseau, comme c'est le cas ici. Ce qui sera beaucoup plus facile pour le montage. Il n'y a pas de sens. Les deux sens sont les mêmes. C'est pas comme sur le substitut de Condor. Ici, les deux sens sont exactement les mêmes. Et je vais réaliser un sous-corps qui va être assez conique. Je vais venir tourner la languette que je viens de découper autour du sous-corps noir.
ceci. Et je vais réaliser mon nœud final. Pour terminer la mouche, je vais venir lui appliquer une couche donc de vernis incolore. Et à l'aide du pinceau, je vais venir appliquer du vernis sur ma mouche et retirer l'excédent. Donc je vais bien m'en appliquer de partout comme c'est le cas ici. Comme vous voyez, c'est un vernis qui est assez fluide, donc il va se mettre vraiment partout autour de la mouche. Et je vais la tourner un tout petit peu de temps en temps pour que le vernis se mette vraiment partout. Voilà, donc la mouche est sèche. Et comme vous voyez, c'est une mouche qui est brillante, c'est un perdigone assez brillant qui a vraiment donné de bons résultats en fin de saison sur les ombres.